C'est le mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Ferran Torres au Barça. Mais avant de parler de Ferran Torres qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs on est partis pour parler de Ferran Torres au Barça. Le premier renfort offensif du FC Barcelone est connu. Ferran Torres va quitter Manchester City pour la Catalogne contre un chèque avoisinant les 55 millions d'euros et une dizaine supplémentaire de variables reliées à des objectifs sportifs pour le club et le joueur. Absent depuis octobre à cause d'une fracture au pied, l'Espagnol devrait retrouver les terrains à la mi-janvier, soit au moins 4 rencontres du Barça dans 3 compétitions entre la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne. D'après les informations de Mundo Deportivo, le club Blaugrana veut rapidement boucler le transfert de l'attaquant de 21 ans, Ferran Torres, afin de le présenter au grand public en début de semaine prochaine. En effet, le quotidien sportif espagnol affirme que le Barça souhaiterait officialiser son arrivée dès ce lundi avant de le présenter au public et à la presse le lendemain. Torres pourrait donc faire son retour en Liga après 2 saisons et demie disputées avec Valence Football Club entre janvier 2018 et l'été 2020. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que l'arrivée de Ferran Torres au Barça est vraiment une bonne idée? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, j'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.